Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fafa. Alors, restez bien scotchés dans vos fauteuils parce que aujourd'hui cette émission, elle va déménager. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans notre émission quelqu'un, quand il danse, j'ai l'impression que la tête tremble. Il a le nom d'un autre artiste qui est aussi danseur comme lui. Il s'appelle Bébé sans os de main. Bonjour, Bébé sans os. Bonjour, là, bonjour. D'abord, Johnny, tu es fleurie, là. Qu'est-ce que tu es la nièce de Johnny Lafleur? Bref, le mot me manque. Ne pas, il n'aime pas ça. Toi-même, ton Fafa, t'as pris, je suis pas pressé, toi. Alors, Bébé sans os. Oui. Bonjour, bienvenue dans Fafa. Merci. Bébé sans os de main. Oui. Qui es-tu à l'état civil? Parce que. L'état civil, c'est Soumaoro Vassansi. Soumaoro Vassansi. Ah, donc si je comprends bien, tu es le neveu de Soumaoro Mori Ferré Lomola. Ah oui, donc, là, oui. Oui, très bien. Mais est-ce que c'est pas à cause de toi, il ne veut pas recevoir Bébé sans os au Lozina dans son bureau? Bon, peut-être ça, je ne sais pas. D'accord. Mais est-ce que tu as déjà rencontré personnellement Lomola? Bon, pas encore, il n'y a pas encore croisé. En plus, voilà, c'est bien, tu mousses quand tu n'as pas encouragé. C'est bien, tu mousses quand tu ne veux pas, tu ne cherches pas à le voir. Non, sinon, si tu ne mousses pas, tu as le choix. Je cherche à le courager, au fait. Ah non, ouais? Peut-être que tu ne veux pas le courager. Si tu dis tu as redressé, le coupé décalé, entends-lui, il a se battre, tout ça avant. Toi, tu viens, tu dis tu as redressé. Peut-être que tu es son concurrent aussi. Non, ce n'est pas mon concurrent. En fait, moi, je suis m'ajouté sur mes doyens pour relever le mouvement. Mais ce n'est pas ce que tu dis dans tes vidéos. Hein. Quand tu vois sur Internet, là, tu dis que toi, tu es le quoi là? Je suis le faisant du coupé décalé, sur le Kadhafi du coupé décalé. Ah, sur le Kadhafi. Mais tu sais au moins comment Kadhafi est parti, au moins? Bien sûr. Tu es prêt à partir comme ça? Le Kadhafi, bon, moi, c'est pour mettre du lodge. D'accord, ok. Vraiment. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, tu es quitté à main, oui, oui. Pour payer transport. Bien sûr. Pour venir mettre du lodge dans le coupé décalé. Abidjan. Donc, avant que toi, tu ne viennes là, il n'y avait pas des gens pour mettre de l'ordre? Il y avait des gens. Bon, avant que je n'arrive, il y avait Anne Faro. Il y avait Didier Congélateur, il y avait Manager Confiné. Je me souviens d'être trouvé devant. Mm-hmm. Enfin, moi, je me souviens avec Belge. Et grâce à Jojo Le Babu et Willy Dombo, et je leur ai dit merci. Et aujourd'hui, je pense que quand je suis arrivé à Abidjan, bon, c'est la fin des maisons qui était grave. Mm. Et Dieu merci, grâce à un frère de moi, et je suis arrivé à Abidjan, il m'a logé chez lui. Mm-hmm. Et je lui dis merci pour ça. D'accord, on va revenir à ça tout à l'heure. Mais avant cela, dis-moi, comment ta carrière a débuté à Mans? Bon, à Mans, j'ai dansé dans les maquis, d'accord, dans les bars de Mans. Mm-hmm. J'ai dansé même dans la rue. Mm-hmm. Avant même de cela, même, je poussais boulettes au marché. Tu faisais quoi? Je poussais boulettes. Ah, tu poussais boulettes au marché? Oui. Mm-hmm. Je vendais même des savons, Kabakourou, des savons noirs. Mm-hmm. Je ramassais même des ordures au marché. Où il faisait même des tentés bagages, où il faisait même apprentissage à la gare. Il a fait quoi couranique. C'est après le quoi couranique. Bon, après, voilà comment tout a commencé à moi. Mais moi je veux savoir, tu connais pas mal d'artistes dans le coupé décalé. On est d'accord, il y a plein de chanteurs, il y a Safari Loubian, il y a des danseurs tels que Ordinateur. Voilà. Mais pourquoi avoir choisi précisément Bébé sans os? Voilà. Tu n'es pas aussi souple que ça. Bébé sans os, enfin moi je l'ai aimé, j'ai aimé sa manière de danser, sa manière de se comporter. Laquelle raison, mais il veut appeler Bébé sans os de main. Mm-hmm. Mais l'homme qui est fan de toi, en principe, il faut l'encourager. Mm-hmm. Je me souviens très bien où j'ai parlé de lui. Avant même que je ne parle de lui, j'ai parlé de mon grand frère, Kei Boké, à Poutou National, et ma grande sœur Rosine Layo, Prométhée, livre vocal de Révolution. Mm-hmm. Et quand j'ai fini par lui, c'est là qu'on m'a posé la question, pourquoi tu devais appeler Bébé sans os? C'est là qu'il a dit non, je l'ai aimé. Mm-hmm. J'ai aimé sa manière de danser, sa manière de se comporter. Laquelle raison me s'est fait appeler Bébé sans os de moi? Mm-hmm. Donc si j'étais aimé, et j'ai mis ça sur le palais, lui-même m'a félicité, maintenant qu'il n'est pas au pays. Mais qu'on se bat pour laquelle cause, donc lui me félicite. Lui m'a dit chapeau, pause, bravo. Please.
tu dis quoi? Bébé sans os et toi, vous avez communiqué. Au téléphone, sur haut-parleur, et t'as félicité pour ce qu'il fait et tout et tout qu'il appréciait. Et ça, il y a combien de temps? Bon, ça, c'était dans ses débuts. Bon, est-ce que peut-être, Chola, à un moment donné aussi, hein, tu sais, c'est la vie, hein. Ouais. Bon, peut-être que si on parle trop de toi aussi, c'est les réseaux, on parle plus de lui. Oui. Ça comprend ça. Oui, mais ça, à la vérité, c'est qu'on ne parle même plus de bébé sans os, l'original. Voilà. On ne parle que de bébé sans os de moi. Peut-être qu'il est un peu aigri. Tu trouves pas qu'il est un peu aigri de toi? Non, moi, je suis aigri. Non, est-ce que lui, il n'est pas aigri de ton succès? Moi, ça, je sais pas. Mais comme tu as commencé à me féliciter, au moins, parce que tu viens sur notre chaîne, venir me dénigrer en disant que, ouais, tu as mené des pandes. En disant que, ouais. Voilà, tu vois. C'est pas faisable. Il dit tu vaux rien. Toi, tu dis quoi? Bon, c'est ce qu'il a dit d'après lui. C'est ce qu'il a dit. Il dit il vaut rien. Comment il fait danser ma bouche? En disant que, ouais, je sais pas. Il dit que toi, tu as mâchoire de lion. Voilà. Donc, comme c'est ce qu'il a dit d'après lui. Après, pour le moins, je regarde. Mais moi, je pense que c'est mon frère. C'est mon doyen. C'est lui qui sont à la tête de ce mouvement. Moi, je suis venu m'ajouter sur mes doyens pour relever le mouvement. Mais comme moi, il est là pour dénigrer, c'est pas gentil de sa part. Moi, mais est-ce que tu l'as approché peut-être pour prendre des cours de danse avec lui, pour t'améliorer? Voilà. C'est lui qui est ton idole. Normalement, tu dois l'approcher. Peut-être qu'il a des techniques qu'il peut t'apprendre. En principe, moi, je devais m'approcher de lui pour qu'il me forme, pour qu'il devienne plus fort. Voilà. Mais il vient sur votre émission, venir parler, pour dire non, il va faire parler avec moi, tant en temps. Bon, moi, je pense que c'est pas faisable. Mais moi, ce sont mes doigts. Mais moi, je l'ai dit, on n'a qu'à s'ajouter ensemble pour relever le mouvement du coupé décalé. Parce qu'on dit le coupé décalé comme Abidjan. Mais bébé sans os de mort, ma question est la suivante, elle est très simple. Bien sûr. Tu penses que tu es fort comme bébé sans os l'original? Bon, je suis plus fort. Ah, tu es plus fort que lui? Je suis plus fort. Eh? Attends. Bon, en quoi est-ce que tu es plus fort? Bon, tu comptes sur quoi que bébé sans os l'original? Bon, moi je danse, parce que quand je tape le château, je roule sur mon dos par terre. Et lui, il ne fait pas ça? Ouais, lui, il ne fait pas ça. Et puis toi, tu fais quoi d'autre que lui, il ne fait pas? Ouais, lui, c'est vous seulement, lui, c'est vous seulement. Comme lui, il roule seulement. Mais voilà. Sur Internet, là, les gens disent que souvent, quand tu fais ton dos, là, tu tombes, on dirait que tu as épilepsie. Non, c'est mon manière de danser. Ah. C'est mon manière de danser. Mais quand tu danses, des fois, toutes tes roulades avant, arrière, quand tu tombes sur ton dos, après, tu n'es pas un peu courbaturé? Non. Ah. Mais tu n'as pas peur de te blesser? Pardon? Est-ce qu'il te blesse? Non, il ne me blesse pas, après, c'est mon nature. Il y a des danseurs qui sont bons dans le cas, ça, t'as bien ici. Bon, ça peut se faire. Okay. Maintenant, quand tu dis que tu es plus fort que bébé sans os, est-ce que si bébé sans os est là, si on le fait rentrer tout de suite dans ce studio, il est assis à côté de toi, bien il est face à toi, tu pourras lui répéter que tu es plus fort que lui? Je suis plus fort que lui, parce que, d'abord, lui c'est un danseur. Pourtant, moi, c'est un chanteur. Ah, donc, d'accord. Mais donc, tu as dit bébé sans os, c'est pas chanter. Mais il est chanteur maintenant. Moi, je deviens un chanteur. Quand il me déplace avec mes couilles graves. Bon, attends, dis-moi, comme tu dis que tu es un chanteur, donc, normalement, tu sais chanter. Bien sûr. Moi, je chante que je. Tu te donnes un plan, enfin. Ok. Le jour ma mère m'a béni. Le jour ma mère m'a béni. J'ai dit à maman, maman, voici coupé des calés que j'aimais. Je sors de ma famille. Je vais à l'aventure. Je vais me battre. Dans la vie, héritage de ton père ne t'appartient pas. Tu es né garçon, tu mourras garçon. Bats-toi dans la vie. La beauté des un garçon, ça y est dans la poche. La raison maman m'a béni, bénédiction des mamans, ça prend le dessus dans ce pays. Voici Douaoudé, ben Sege, mais à terre malo, je suis le Kadhafi, du coupé décalé, courir avec eux. Ouais! S'il me plaît, il y a un fond de test quand même. Oui, 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 au moins il y a un fond. Au moins il y a un fond. Donc tu veux dire que ce que tu viens de faire, la bébé sans os, t'es pas capable de faire ça? Voilà. Ah, il faut lui dire ça, voilà la caméra, il faut lui dire. Il n'a pas comment de faire ça, parce qu'avant de sortir, prends bénédiction de ta mère avant de sortir dehors. Parce que tu es un garçon, tu mourras garçon, bats-toi. Mais là, quand il te voit chanter comme ça, tu as tenté de clasher un moment DJ congélateur. Bien sûr. Mais il ne t'a jamais répondu. Il ne m'a jamais répondu. Mais pourquoi tu clashes? Congélateur, il est clashé parce qu'il a fait parler avec mandat confirmé. Je vais chercher à comprendre ce qui se passe au juste. Je voulais te demander, congélateur, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et mon aide à confirmer? Mais qu'est-ce qui te regarde dans l'affaire de confirmer ouais, et puis congélateur? Ton affaire où? Et puis toi, tu vas poser question à congélateur. Moi, c'était pour les réunir ensemble. Qui nous a reprend à zéro pour travailler ensemble. Tu sais d'où ils sont quittés, puis c'est toi qui allais les rassembler. Bon, moi, c'est pour les mettre ensemble pour que les gars travaillent. Pour que ce qu'ils font, pour que ça relève encore plus fort. Mais aujourd'hui, mon aide a pris le dessus. Il va à Paris. Il a donné des voitures cadeaux.
Et aujourd'hui, on ne parle même plus de lui. On ne sait pas où il est rentré. Qui est son congélateur? Il vient de signer un contrat. Le congélateur est là. Hein. Elle n'a pas boqué pour les gens de Paris. Hein. On ne sait pas où il est rentré. Il est là. Moi, hein. Il vient le voir. Mais quand il me voit dans le couloir, il fuit. Quand le congélateur te voit, il fuit. Il fuit. Il fuit pourquoi? Bon, il ne sait pas si ça va danser. Ça cause qu'il fuit. Ah. Mais pourquoi? Donc, toi, tu le vois dans le couloir. Toi, tu fais clash et danser lui en même temps. Voilà. Mais c'est lui qui t'a dit les danseurs. Toi, on dirait que tu dois aimer palabre quand même. Toi, tu dis maintenant, bébé Soros, il va répondre, tu es fâché. Moi, je suis fâché. Je suis fâché. Mais quand bébé Soros, c'est toi qui peux frapper son ami. Apparemment, vous avez la même taille, la même corpulence. Tu peux le botter? Tu sais que moi, je ne veux pas beaucoup de points. Mais moi, c'est pour dire que c'est mon doigt. Et bébé Soros, c'est un vieux. On va travailler. Ah, d'accord, ok. Mais toi, tu sais chanter, bébé. Tu as dit tout à l'heure que bébé Soros ne sait pas chanter. Tu veux travailler lui pourquoi? Tu dis, il est danseur. Toi, tu es danseur, chanteur. Lui, il est quand même formé pour qu'il devienne plus fort que ça. Ah, donc si elle comprend bien, lui n'a qu'à te former, voilà. Tu vas devenir plus fort pour faire plus d'argent, et puis lui il va rester dans l'ombre et sa taille. Non, je ne l'ai pas aimé. Pourquoi? Ah, toi aussi. On ne fait pas ça? Mais dis-moi, bébé Soros, dis-moi, Chola, bon, tu peux bébé Soros, dis-moi, tu as une petite go? Bon, il y a une... Dis la vérité, on ne m'a pas ici. Oh. Ma fiancée, elle est à Paris. Ta fiancée? Bébé Soros, dis-moi. Ah, ta fiancée à Paris. Bien sûr. Donc, c'est depuis que ton fiancé a agonisé. Bon. On s'est vu sur les réseaux sociaux. Mmh. Elle m'appelle chaque soir, on fait appel vidéo. Tu la vois? Tu la vois bien? Oui. J'espère que ce n'est pas un petit brouteur qui est en train de te marmailler là-bas. Non, elle je l'ai dit. Ok. Faut pas là, ça me dit, elle est mort à Paris là-bas. Mmh. Moi, je n'aime pas. Elle s'appelle comment ta fiancée? Bon, elle s'appelle Las. Las. Fatim. Fatim. La diva. Ah, Fatim la diva. Fatim, et elle vit à Paris depuis combien de temps? Bon, elle est là-bas parce qu'elle est comorienne. Elle est comorienne. Ah oui. Ah d'accord. Mais elle sait qui tu es en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle sait qu'en Côte d'Ivoire tu es une célébrité, tu es une grande star? Bien est-ce sûr. Qu'elle sait? Elle m'interdit même souvent de ne pas sortir de ma résidence. Et pourquoi? Elle faut pas s'aller toucher ton argent. Elle est jalouse. Elle n'aime pas qu'elle sorte pour aller chez ses femmes dehors. Si tu ne sortais pas pour aller faire prestation, elle allait te voir où? Pour être ta fiancée. Donc moi, elle dit non, il ne faut pas elle va être jaloux. Mmh. Parce que moi, c'est très cool. Mmh, tu aimes ton travail? Voilà, j'aime mon travail. Si elle sort, ça vous chercher l'argent. C'est ça. Elle vient te voir quand? Ou bien toi, tu dois partir? Bon, moi, je l'ai demandé hier. Il dit, mais elle vient quand? Elle vient quand? Elle prend un congé pour venir. Mmh. Elle vient moi. Elle m'a dit qu'elle a besoin d'un bébé à travers moi, elle. Et ah, elle aussi amoureuse, mais c'est ça. Très bien. Mais ça, faut pas que tu vas partir à Paris, tu vas caler là-bas. Non, je reviendrai. Ah, bon, je m'en reviens donc. Il dit, reviendront donc alors. Donc, ce que je veux savoir, ça fait combien de temps que vous êtes fiancés? Bon, pas encore, nous ne sommes pas encore fiancés. Mais c'est ta chérie. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bon, c'est maintenant. Est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que tu es célèbre qu'elle est venue vers toi? C'est elle qui est venue vers toi, c'est elle qui t'a dragué. Oui. Ah, est-ce que ça va parler aujourd'hui, tu es une star, qu'elle est venue derrière toi? Bon, ça, bon, peut-être. Bon, et si tu n'es plus star? Est-ce que tu n'es plus star? Bon, c'est que je dis, on va se marier. Vous allez vous marier? Mm-hmm. D'accord, ok. Donc, voilà. Fatim la diva, voilà. Déclaration d'amour. Déclaration d'amour. Mais bébé sans os, on met tes lunettes rouges. Tes lunettes blanches et tout ça, c'est très bien, ça te va bien. Mais il y a trois courries que je vois sur ta tête, telles des cornes. Est-ce que c'est pas ton amour qui est là? Non, c'est pas mon amour. En fait, c'est ma nature comme ça, depuis moi. Mmh. Quand je venais, mon père m'a entretenu avec certains trucs. Il m'a dit, les trois courries, prends. C'est ce qui va t'accompagner avec tes doigts ou que je mets dessus pour t'accompagner avec. Mmh. Le combat que tu mènes, que tu bougues, tu vas jusqu'au bout de là. Dans laquelle les trois courries sont là. C'est ton papa qui te les a remises, hein, les courries. Oui, mon père était fétiché avant. Mais je vois d'où vient ton succès. Hein? Moi, je suis Moga. Mon père est de Touba. C'est ma mère qui est Yakuba de Sanguinée. Et je n'ai pas aimé fétiche. Je n'ai pas aimé Zamou. Mais il pouvait aimer bénédiction de ma mère qui mon père. Parce que moi, je n'ai pas aimé mon père. Moi, j'ai aimé ma mère qui mon père. Ah, tu comme ça, tu as dit aux yeux de la nation que tu n'as pas aimé ton père. Il n'a pas aimé mon père parce qu'il a aimé maman qui est mon père. Et pourquoi tu n'aimais pas ton père? Voilà, parce que moi j'aime maman. J'aime beaucoup aimer maman. Mais si tu n'aimes pas ton papa, il y a forcément une raison. C'est laquelle? Oui, mais ils sont séparés, ton père et ta mère. Il t'a non. fait du mal, papa? Enfin, mon père ne vit plus. Ah, il ne vit plus. Voilà. D'accord. Mais aujourd'hui, je suis avec mes parents, Dula ne m'aime pas parce que mes parents, Dula du soir, je suis devenu chanteur dans le maquis, dans les bars. Donc, elle ne me considère pas en tant que le frère, en tant que la fille de la région. Comme de là, mes parents, Yakuba aussi, quand ils vont aller chanter dans le coin, mes parents, Yakuba pouvaient verser de l'eau pour que, oui, ils m'avaient chanté, pour qu'ils soient plus aimés, ils soient plus célèbres que ça. Dans laquelle j'ai mis ma maman, mes parents, Yakuba. Dans laquelle j'ai dit, je suis Yakuba. Mais tu n'as pas aimé ton père, mais ce qui t'a donné pour ta compagnie là, tu as aimé ça pour mettre ta tête. Non, non.
Moi, je ne comprends pas, bébé, sans se demander toi-même. Tu dis que tu n'aimes pas quelqu'un, mais il te donne quelque chose et puis tu mets sur ta tête pour te promener. Ah, mais c'est papa, il fait comment? Mais donc, tu nous as dit tout à l'heure que ton père était féticheur, c'est monsieur, ça, paix à son âme. Paix à son âme. Donc, quand il t'a donné les courriers, il t'a dit quoi concrètement? Bon, moi, franchement, moi, il m'a dit que mon enfant, comme tu es le dernier des enfants, voici là, mon héritage, la cour, je t'ai donné. Mes champs que j'ai fait à Cassia plus, je te donné ces champs. Ça t'appartient, il faut garder. Mm-hmm. C'est là-bas qu'ils ont fait l'université. Mm-hmm. Et aujourd'hui. Ah donc tu n'as plus les champs? Ils ont vendu les champs de mon père, il ne m'a pas dit. Ah, ah. Ok. Parce que je voulais te dire, mais pourquoi tu n'es pas resté dans les champs? Ils m'ont mis à l'écart. Uh-huh. Qui a vendu les champs? Mes frères ils ont. Ah, tes frères ont préféré vendre et puis ils ont partagé les champs. Et aujourd'hui, la cour de mon père à moi. Ils ont refait la cour. D'accord. Et aujourd'hui, la cour est devenue jolie. Mais moi, parce que l'héritage de mon père ne m'appartient plus. Mm-hmm. Donc, si je suis un garçon, je mourrai garçon. Je préfère me battre à l'autre bout. Toi-même. Mm-hmm. C'est ce que tu dis dans tes chansons. Là, voilà. Hein. Ça, c'est un bon message, alors. Mm-hmm. C'est un très bon message. Mais dans le monde du showbiz, hein, voilà, qui, à part Bébé sans os, hein, oui, mais qui est vraiment ton idole? C'est-à-dire, à qui tu as envie de vraiment ressembler? Je ne parle pas de celui qui va te donner Pandélin. Hein. Bon. À qui j'ai ressemblé. Tu veux grand frère à Poutou National. Ah, tu veux lui ressembler? Bien sûr. À ma grande soeur aussi, Rosine Layou. Ok. Et mais quand je suis arrivé à Abidjan, garçon et puis à femme aussi, j'ai parlé de eux. Les gars n'ont pas répondu. Mais les deux personnes qui m'ont répondu à Abidjan, c'est Kei Boké et Prométhée, lui vocal de révolution. Oui, oui. Et Club de révolution. Les a contactés? Bien sûr. Ah, et puis et les autres n'ont pas répondu. Oui, oui. Club de révolution, je suis dedans. La nouveauté qu'ils ont fait, je suis dedans. Mais suis dans ça, quel est le message que tu peux dire? Regarde la caméra. Ceux qui disent de toi sur les réseaux sociaux que tu es fort dans vos rien, qu'est-ce que tu peux leur dire? Bon, tous ceux qui parlent de moi sur les réseaux sociaux, même quand ils font mes directs chaque soir, chaque matin, il y a des gens qui disent que vaut rien, on soit ici vilain, on soit ici court. Mais c'est pour dire merci de leur part. Mais moi, il a dit, il n'y a qu'à venir, on va causer, on va s'amuser ensemble. Mais je suis venu pour courir avec eux. Oui, je suis venu pour courir ensemble. Ouais. Moi, je ne suis pas venu pour parler avec quelqu'un. Je suis venu pour mettre de l'ordre dans le coupé de Calais. Je n'aime pas du désordre. Je suis là, petit frère. Je suis venu à Abidjan. Je suis m'ajouter sur les gars. Tous les grosses du coupé de Calais. Je suis m'ajouter avec eux pour relever le mouvement. Parce que Yoro n'est plus. Bon, on dit que le coupé de Calais est tombé. Mais moi, je pense que le coupé de Calais, c'est de mettre en l'ordre. Donc, tu veux danser le pays. Tu veux prendre la place de Yoro. Voilà. Tu veux prendre la place de Yoro, on va danser le pays. Donc, toi, tu es sûr que tu peux faire danser le pays? Bien sûr. Tu comptes sur quoi? Parce que, moi, je pense qu'il y a un tout dernier en cours de route. Il y a mon dernier sur un cours de route. Je croise même le promo, le premier, jusqu'au 30 juin. Mais on t'a vu sur le nouveau son là, tu dis que le concept c'est chicoté. Tu es chicoté qui bébé sans os? Non, quand on dit le chicoté, ça veut dire si tu n'es pas direct dans tes mouvements, tu es chicoté. Ah, mais donc si tu n'es pas direct dans ses mouvements, toi, tu es. Quand tu as fini de parler de lui là, tu as fait ta réponse sur internet, hein, sur Face Magazine, et puis tu as dit que je viens mon nouveau concept, c'est pour te chicoter, le chicotement. Le chicotement, voilà. Donc le concept c'est le chicoté. Donc tu vas le chicoter. Voilà. Mais si lui va donner Pandé là, donc pourquoi tu t'étonnes alors? Moi, ça ne m'étonne pas, mais puis pas. Parce qu'il ne me prend même pas celui aussi. Ah, donc tu comptes sur ton quoi. C'est pour ça que tu as de l'attacher ici. Bien sûr. Ah, faut pas regarder la taille de ça. Oh, c'est ton vieux père, hein. C'est mon vieux père, c'est ça. Ah, d'accord. Il a âgé. Il a âgé. Faut pas regarder sa taille pour penser que c'est ton petit père. Il a des enfants qui ont 18 ans, 19 ans. Si, il veut te donner Pandé là, c'est pas petit Pandé. Mais toi, t'as quel âge? Mais ça, on dit, t'as quel âge? C'est un bébé. Pardon? T'as quel âge? Il y a 26 ans. C'est un enfant, il n'a pas l'âge. Il a pas l'âge. 26 ans, c'est. Mais il n'a pas l'âge de bébé sans l'original, hein. Bébé sans os, quand tu vois ses os, tu sais que c'est pas d'aujourd'hui que c'est sur la terre. C'est vrai os. Oui, il y a longtemps, il est là. Mais quand tu danses souvent, et puis tu es dans le public, et puis tu te déshabilles, maintenant souvent on te prend les photos, on voit ton ventre un peu gros, ça ne devait rien. Bon, c'est que y a le système de Yora en moi. Parce qu'on est Yora, elle est têtue. On dit Yora, tout là gonflé, on est Yora arrogant. Mais moi, je ne suis plus que Yora. Ah, il y a le système de Yora en moi. Laquelle, quand il va sur ta dame, il va sur la scène, il y a même pas habillé sur nous aussi. Maintenant, quand les gens t'insultent sur les réseaux sociaux, on te traite de vaurien, on te traite de vilain et tout ça, comment tu te sens à l'intérieur? Bon, faut pas regarder caméra, clair, fa, de nous à toi, ça te touche pas. Moi, je me sens à l'aise, parce que moi, je n'ai pas problème avec eux.
Moi, c'est devant Yériad. Ceux qui me suivent, ils perdent le temps. Ils perdent le temps. Moi, ils progressent. Ouais. Ceux qui n'ont pas de gauche à droite, moi, ils m'en foutent des gars. Moi, c'est devant Yériad. Les mêmes personnes, demain, quand ils vont me voir, dans la vraie voiture, ils vont vouloir venir gratter la tête. Pourtant, ils regardent encore aux alentours de moi. Et tu regardes du corps? Tu regardes du corps autour non, du corps? Non, pour l'instant, il n'est pas garde du corps. Mais tu as dit tout à l'heure que tu ne te baladais pas seul. Qui sont les gros bras? Michel, le manager. Ah, c'était manager. Voilà, j'ai le manager, puis j'ai mes amis aussi qui sont là. Et vous êtes combien? Vous vous promenez à combien finalement? Bon, si je suis pas mes danseurs, pas mes danseurs sont trois. Avec le manager, ça fait quatre. Voilà. Donc moi, ça fait cinq personnes. Mais est-ce que les cachets que tu touches sont assez conséquents pour gérer toutes ces personnes-là? Bien sûr, parce que souvent, ils touchent 50 000 francs, 100 000 francs, 150 000. Dans les mains? Vous pédalez à combien? Bon, tout dépend du manager. C'est le manager qui gère. Voilà. Mais il te donne bon jeton au moins. Oui, il me donne bon jeton. Parce qu'après, on ne veut pas avoir comme congélateur et puis le manager a confirmé. Tu vas t'asseoir ici pour dire que ton manager te peintoin. Non, jamais. On ne veut pas entendre. Jamais la vie. On ne veut pas. Jamais la vie. C'est comme ça que vous commencez. Ils vont dire que son là, elle est polie. Elle parle mal aux invités. J'ai prévenu. Non, la quelle raison j'ai dit à mon manager, j'ai bien à ce qu'il m'habille. Pour les tenues de scène. Voilà. J'ai bien des habillements. Il faut que je donne mes sapés pour la petite scène. Et j'ai bien des vrais habillements. Et là, j'ai bien des vrais chaussures. Et puis aussi, j'ai bien des enfin, vrais gommages sur mon visage. Je dois faire même maison. Ouais, parce que je vois que ça brille. Tu as fait manucure. Bien sûr. C'est très bien, bébé sans demain. Mais bébé sans demain, quand bébé sans origine est venu là, il a fait un truc de danse. Il dit hey, tu veux quoi? Comment tu veux voir? Bon, quand ils ont ici le podium, voilà ce qu'il fait. C'est ça, il dit tu vas m'asseoir. C'est ça, il dit tu vas m'asseoir. Mais pourquoi il fait ça? Il n'est pas venu m'asseoir des lions. Vous voyez, m'asseoir des lions qui est là. En fait, il a fait ça pour te parler mal. Regarde la caméra et puis refais encore le refait. Voilà ta caméra en face. Et ça, comment ça s'appelle? On appelle ça dents de bouche. Dents de bouche. Danse de bouche. Wow. Est-ce que c'est pas dans des mains? Non. On appelle la danse de bouche. Allez, ton cri, moi, hein? Ah, d'accord. La danse de bouche. Mais je veux savoir, ton manager et toi, vous vivez ensemble? Oui, on vit ensemble. Vous dormez dans la même chambre? Oui. Il y a sa chambre, j'ai ma chambre à côté. Ah, d'accord. Manager a confirmé le congélateur. Ok. C'est dans 3 mois, la vérité va sortir. C'est plus dans 3 jours. Ah, on a augmenté. On a augmenté. Et trois jours, c'est trop juste. Il faut laisser le temps. J'étais en voyage avec lui. On était au Burkina. Vous avez dormi dans la même chambre? Non. Alors, comme j'étais malade, j'avais... La varicelle. Donc les gars, ils avaient peur de s'approcher de moi. Donc j'avais ma chambre. Lui aussi, il avait sa chambre à part. Donc c'est lui, il n'a pas pu chanter même au Burkina. Ah, tu n'as pas pu chanter. Et puis tu es revenu. Je suis rentré à Abidjan. Mais ils vous ont donné le cachet, non? Voilà. Ils vous ont payé? Bien sûr, très bien. D'accord, ok. Vendredi même, il doit voyager vendredi même. D'accord. Vendredi, il va sur Kourougou. Ça alors si on a besoin de bébé sans hausse de main pour une prestation, tes cachets peuvent tourner autour de combien? Bon, si c'est au niveau de vous, on peut s'amuser ensemble, pas de problème. Parce que c'est grâce à vous, moi je parle de la vente demain. Lui au moins il est reconnaissant. Ouais, c'est ce qu'il a dit à Winnie, et la main qui demande est toujours en bas. Oui. Je ne mets pas avant de grandir. Dans laquelle moi je me mets sur mes doigts pour relever le mouvement. Parce que je ne suis pas fort, mais je fais de mon mieux. Mais là tu vis où? Je vis à Yopouan-le-Quoi, village. Et qui t'a logé là-bas? Bon, ici, c'est un jeune, un frère de moi. On l'appelle Godot le Feu. Ici, Abidjan, maison est très cher pour dormir. C'est donc toi qui est grave. Mais Godot le Feu, on va lui dire merci. Avec son frère, Tchatchalo le Bruxelles, on va lui dire merci. D'avoir logé chez lui. Ton frère, ça fait comment? Tchatchalo le Bruxelles. Tchatchalo le Bruxelles. Voilà. Et mais il y a un nom que tu as du mal à dire sur les réseaux sociaux souvent. Tu es fatigué, non, là, c'est quel nom là? Non, c'est un nom dit. À qui a le banquier? C'est un nom. À qui a le banquier? Oui. Mais finalement, tu as pu poser le nom dans la chanson? Bien sûr. D'accord. Okay. Et quand je l'ai appelé sur mon anniversaire, il est venu me rendre grand. Il est venu à cet élément, venu me rendre grand. Me montrer que c'est ça, l'avenir demain. Donc, ils sont prêts pour toi? Voilà. Mais moi, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que les gars quittent loin, ils arrivent, mais quand ils arrivent à Abidjan, il y a toujours quelqu'un pour les loger. On voit le cas de Manadja déjà confirmé où c'est Aziz 47 qui le loge, il nous l'a dit ici dans l'émission. Toi aussi, tu es logé par un certain. Il vous donne le feu. Est-ce que toi comme Manadja déjà confirmé, tu prends des bains dans des baignoires?
Bon, Mandia a confirmé, moi je l'ai aimé en tant qu'un frère. Mm-hmm. On s'est déjà accordé une fois. On a pu causer ensemble. Et je lui ai dit, Mandia a confirmé, je suis un prendre ton terrain dans ta main. Tu viens prendre son terrain dans sa main. Voilà. Et celle-ci t'a connu là, tu comptes quoi? Toi toujours tu viens prendre les choses dans la main. Toi toujours tu viens prendre. Tu as pris danse de bébé sans. Ça, tu as vu? On dirait que tu as quelque chose de pas aussi. Ouais, les gens ont donné les choses. Tu viens prendre ton terrain, tu viens mettre de l'ordre, couper des calais, tu viens prendre terrain des managers confirmés. Tu vas prendre quoi, congélateur derrière? Non. Ah. Par exemple, Manda a confirmé, c'est mon frère, il est allé à Paris, c'est vrai. Mais aujourd'hui, lui, il est déjà quitté à Paris. Mm. Mais moi, je pense que quand il met pied là-bas, c'est gâté. C'est pas bon. Donc, tu peux faire plus que Manda a confirmé. Aïe. Ah, attends, quand il est rentré à Paris, mm-hmm. ils vont pas courir, ils allaient faire l'île. Mm. Oui. Ils vont l'île là-dedans. Ils vont l'île. Donc, si on comprend bien, peut-être que B sort sur l'original là. Si tu vois, il va couper tes courriers là, un paillet, on dirait que c'est ça que tu prends pour le fatiguer. Il pense ça. C'est ça, il voit, il est gris. Tu penses qu'il est gris de toi? Oui, parce qu'il sait que je suis le goth actuellement dans le mouvement. Hein, tu es le goth. Il est le goth. Donc ça fait que on parle plus de lui. Merci. Ça lui fait mal, il est gris. À part lui seul même. Il y a des artistes même que j'ai les crois même dans les bars, comme en Anderson premier. Mm. Je me souviens, à Port-Boué, j'étais dans un maquis. Oui, dans un maquis bar, j'étais assis, Anderson prend un micro sur le podium. Ils disent que nous ne sommes plus les stars, voilà les stars qui sont assis. J'ai dit, mais c'est pas de qui? Il dit, pas de moi. Il dit, ok, là tu as droit. Mais il n'a rien dit de méchant. Léo aussi a parlé la même chose. Là, il a dit, ok, donc vous agitez sur moi, il n'y a pas de souci. Donc, il a dit, je vais lancer un appel sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Tous les gros, c'est de couper les galets. Ils n'ont qu'à se joindre à moi. Ils n'ont qu'à se rallier à moi. Relever le mouvement. Parce que le chef est venu. Parce que bébé, sens de moi. En fait, toi, tu te rallies pas à eux, mais c'est les grosses têtes du coupé décalé qui doivent se rallier à toi. Tu, voilà. Tu comptes sur qui et puis sur toi. Le chef est venu, le calme est venu, le patron est venu, le chef de guerre est venu. Mmh. Tu le calafé est venu pour s'imposer. On dit, quand quelqu'un dit, quand un aveugle dit, il va te lapider, il sait que son pied est posé. Toi, Cory, tu es sur la tête de l'enfant qui est en face de nous ici là. C'est sûr, ça, il compte. Parce que moi, je suis guidé aussi. Il y a quelque chose là-bas. Ah, donc où tu es guidé? Quand on dit dans la région, on dit ton pui. Quand on dit ton pui, ton pui. Il y a quelque chose dans ton pui. C'est quoi? C'est quoi? C'est bien sûr. Non, affaire-moi un peu. Je suis affaire. Il y a quoi dans ton pui là? Nous, tu vas aller chercher là-bas. Mais oui, sérieusement, c'est fait qui coupe fait. Toi, dis-moi, toi, où tu es guidé à crier pas? Les gens aussi sont là. Eux aussi sont guidés qui ne vont pas venir. Tu sais que les Yakuba sont forts. Dans quoi? Dans quoi? Les Yakuba sont forts. Dans quoi? Attention. Parce que y a Rosine qui est quittée là-bas. Ah, pour tu as quitté là-bas, et c'est ce qui est là-bas. Parce que ce qui est là-bas, c'est fort. Ah, donc il est en train de nous dire qu'ils font Zamou, quoi. C'est pas Zamou, mais c'est quelque chose. Mais donc, si vous comprenez, il comprend maintenant pourquoi tu aimes Mapuchu et puis tu aimes Rosine. C'est pas une soya Kouba comme toi. C'est ça. Ah, donc c'est un groupe de Yakuba. Ça veut dire que. Mais sens là, il est de quelle ethnie même. Et puis, Olé Mala aussi, et Yakuba. Ah, Olé Mala. Olé Mala, Yakuba. Oui, on sait ça il y a longtemps. Ça veut dire que Mal est représenté. Comme les Abidjanais n'ont rien foutu, Yakuba est venu prendre le lait. Les Abidjanais n'ont rien foutu. Mais ça, on se demande, attention à ce que tu dis, hein. Les Abidjanais n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu. Ils n'ont même pas pu faire question dans le coupé de galets. Donc, les Yakuba sont venus prendre le dessus dans le mouvement. Je me souviens de Roselyne Layo. Donc, c'est une statue. Il a foutu une enfant. Roselyne Layo, elle ne fait pas couper des galets. Elle fait couper des galets. Non, elle fait de la variété. Elle fait de la variété. Mais, c'est le même. C'est le même. Apuchou, c'est pas un coupeur de galets. Je crois que c'est Zouglou, lui. Il fait, non. Maintenant, en fait, tu mélanges et tu confonds tout. Non, mais couper des galets, Zouglou. Si les Yakuba sont un prêt de roulet, donc c'est la même musique, donc ça continue. Et puis maintenant Prometto aussi. Prometto et Yakuba aussi, non? Prometto et Yakuba. C'est le seul Yakuba qui n'a pas de mix. Et mon grand-mère Keiboke. Et Yakuba. On n'a pas voir et Yakuba de donc. Ah oui, non. Keiboke, je sais qu'il a Yakuba, vu la taille. Chola, donc je comprends même, mais ça on demande. Donc toi, depuis que tu es assis là, les gens ici, là, c'est pas ils sont Yakuba comme toi, quoi. C'est ça. Est-ce que tu n'es pas un peu xénophobe par hasard? C'est ça, moi je suis Yakuba. Mais ça, la xénophobie, c'est-à-dire que toi, tu penses seulement tu préfères être tes frères Yakuba. Voilà. Et donc, la fierté des Yakuba sont là maintenant. Je comprends pourquoi ça ose te frapper. C'est maintenant, aujourd'hui, là, j'ai compris. Sinon, la dernière fois, quand il a dit, je n'ai pas compris. Ouais. C'est maintenant, je comprends. Mais maintenant, ça ose t'a menacé. Moi, où? Il t'a menacé, non? M'a menacé sur les réseaux sociaux en disant que s'il me voit dans le couloir, il va me porter main. Ah, il t'a dit ça? Mais moi, je n'ai pas répondu. Non, bébé, ça ose demande, très sincèrement. Est-ce que bébé Sans t'a véritablement menacé? Et ça date de... Les menaces datent de quand? La fois d'un cas d'accoucher dans mon lit, mon manager m'a montré la vidéo où il m'a dit non, que s'il me croit dans le couloir, lui a moins importé, mais.
Ah bon? Je ne sais pas si mon manager l'a répondu en disant qu'il ne se promène pas seul. Ah bon? Moi, je ne vais pas loin. Je suis à Loko village. Il me promène autour de la cour. Je ne vais pas loin. Donc, il n'a qu'à aller là-bas. Si il est vraiment sûr de lui, il n'a qu'à venir. Mais Vincent, à ta place, je réfléchirai à deux fois. Parce que quand je le vois... Coup de tête des trois pourris là. Coup de tête. Trois pommes qui sont sur sa tête là, mon ami. Il y a des choses pour éviter. Mais est-ce que toi, si tu donnes coup de tête à Vincent, je vais arrêter. Ah, en tout cas, c'est qu'elle m'a assis ma tête là. Il y a un problème là-bas. Hein. Donc, il y a vous deux, Fafa, tu peux le frapper. Ah, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer. Mais Vincent, je demande. Oui. Des fois, dans les commentaires, les gens disent qu'ils sont fatigués de te voir à Abidjan. Eux, ils souhaiteraient que tu retournes. Que tu retournes à main. Il y a d'autres qui sont prêts à payer ton transport. D'autres sont prêts à payer ton transport. D'autres sont prêts à t'escorter d'Abidjan à main. Et surtout qu'on referme les portes de main derrière toi. Afin que tu ne ressortes plus. Qu'est-ce que tu réponds à ces détracteurs? Bon, moi, je lui ai dit, je suis déjà arrivé à la terminiche. D'accord. Moi, je ne fais plus mes affaires. On peut régner. Tout a commencé à main. Mais aujourd'hui, je pense que je suis déjà arrivé à la terminiche. Parce que ça a bien tout se passe. Il ne veut plus retourner au village. Soit il veut retourner au village, c'est qu'il a payé ma propre voiture. Il a fait un côté pour rentrer à moi. Pour montrer aux fierités de manquer sur le retour. Mais pourquoi les gars veulent te mettre dans le camion? Pourquoi les gens veulent que tu retournes à moi? Et surtout, la partie même qui me fait bizarre, c'est où ils disent ils vont fermer la porte, portail de moi, l'intérêt, toi, mais pour que tu reviennes à Abidjan. Pourquoi, à ton avis, les autres t'en veulent à ce point? Mais j'en parle pour eux, qui vont me faire venir à moi. Elle ne peut plus. Non, c'est fini. Où c'est arrivé là? C'est moi pour eux. Mais bébé, ça, on se demande. Donc, ils ont échoué. Des fois, quand tu es en résidence comme ça, là, est-ce qu'on t'envoie les petites go un peu de temps en temps pour te mettre bien? Bon, moi, en tout cas, quand je sors dans le quartier, je drague la petite mouche, c'est que. Mais c'est quand tu fais tes présentations, il y a des femmes, des gos qui viennent. Bébé, ça ose de manger. Elle s'évanouit au conseil de manager. Même il y a une marque qu'on appelle ça. Non, on dit pas, il ne faut pas citer le nom pour ne pas faire de pub. Ouais. Mais là-bas, il y avait une fille qui est venue envers moi. Mm-hmm. Elle était la fond de moi. Mm-hmm. Bon, je suis parti aller chez moi à la maison. Et il s'est passé quoi? Quelque chose s'est passé. Et puis vous voulez qu'il retourne à main. Vous faites venir Abidjan qui est doux. Il n'ira plus. Il ne va plus, mon cher. Il faut rester ici. Non, mais ça. Je veux plus retourner au village. Moi, je veux te donner transport pour retourner au village. Jamais. Ah, d'accord. Mais il t'en fait quoi au village, là, les gars? Mais est-ce que tes parents. Bon, ta maman vit où? Maman vit à moi. Et si elle te demande de rentrer? Jamais. C'est peine perdue. Bon, si on dit, bon, la cour de ton papa qui est là-bas, viens, nous, on te donne. Jamais. Bon, jamais. C'est vrai que nous on cotise, moi, congélateur, défalé, malade à confiner, Louis Tombo, nous tous on cotise, on dit bon voilà 5 millions, pendant que tu allais te chercher à main. Jamais. Aïe, aïe, aïe. C'est que je vais congeler chez moi pour revenir. Mais pourquoi tu arrives? On dit non. On dit faut rester là-bas. Mais pourquoi? Bon, il y a Abibé, sérieusement. Comme Chola t'a dit là, on te donne, on fait genre même une ferme pour toi. On fait une bonne entreprise. On te donne une vraie go. On te donne une vraie go, donne l'argent. Elle reste et puis là-bas. On dit récemment. Et puis vous êtes là-bas. Il ne veut pas. Yeah. Abidjan a eu affaire. Abidjan est doué. Mais qu'est-ce qui te plaît finalement à Abidjan? Qu'est-ce qu'il y a à Abidjan qu'il n'y a pas à Mans? Bon, Abidjan est mort. L'eau de Abidjan est proche de l'eau de Mans. Et puis aussi, vie qu'Abidjan, il n'y en a pas à Mans. Il dit l'eau de Abidjan. Est-ce que, avant de venir pour le couper de Calais Abidjan, est-ce que tu étais déjà venu avant? Non, c'est ma première édition. Ah, donc tu es quitté en même temps, tu n'étais jamais venu. Tu n'étais jamais venu à Abidjan. Oh, tu. Donc, depuis des lustres, tu étais à Man. C'est dans le fait de bébé sauce de Man là que tu t'es retrouvé à Abidjan. Non, c'est grâce à congélateur où il a lancé clash. Oui, oui, en fait. Non, tu n'étais jamais venu à Abidjan. Non. Je comprends pourquoi tu ne veux pas partir. Je comprends. Mais tu es déjà arrivé au plateau, quand tu as vu les immeubles, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a la commune d'Abidjan où je ne mettrai pas encore main. Je sais que je vais maîtriser très bien. C'est où tu maîtrises? Je maîtrise le Pougon, Angry, Pauvre, bon, Cathy. Tu as vu les propos que Bébé Sens, l'original, a tenus vis-à-vis de toi dans cette émission. Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce que tu as à lui répondre? Bon, il a parlé pour lui ce qu'il devait dire, il a parlé. Mais moi, je pense qu'il ne peut rien créer. Hein? Parce que moi, je suis venu à Abidjan, je vais mettre l'eau dans le coupé de Cali. Mais moi, parce que les gars parlent de gauche à droite, mais ils ne peuvent rien créer. Donc, tu réponds quoi à Bébé Sans? Donc, moi, je dis,
Il n'est pas plus fort que moi. D'ailleurs, on m'a jamais de chanter, mais pas à moi. Mmh. Mais pas à moi de chanter. Dans la danse aussi, mais pas à moi. Donc tu es plus fort que lui. Je suis plus fort que lui. Yeah. Allah, c'est dingue. Et puis aussi, toute la grosse est du coupé décalé. Mmh. Il ne me l'a pas de safarelle. À l'internat. Où il chantait son morceau, ils sont où? Personne n'a applaudi ses danseurs. Mais moi, je suis venu. Attends, non, la partie, la reprend. Tu dis quoi? Quand il est monté sur scène, hein? Quand il est monté sur scène, où il chantait son morceau, mmh, ils sont où? Personne n'a applaudi. Mais moi, à mon arrivée, à l'internat, le monde s'est levé. Je suis monté sur lui. Il y a moi ça dans son. Si je mets son propre morceau. Et puis, tu as déjà foule. Il y a déjà foule. Il y a un jeune mec qui m'a dit, madame, là. Hein? Ça veut dire qu'il a été découragé. Il a été passé. Donc tu as dit que tu allais le rendre plat, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui même là, et même qu'ils étaient à la tête même, on parle même plus de eux. Parce qu'il a qu'à gâté. Vous voyez, je suis là maintenant. Donc ils ont tous peur de toi. Voilà. Ah, donc ouais, ça veut dire que le chef est là maintenant. Le patron est là. Donc ils doivent se soumettre. Le calme est venu. Il n'a qu'à se calmer. Eh. Ah, ça. Ah, des fois là, c'est lourd. Bon, hein. Alors, plus sérieusement, vu que tu parles comme ça, qu'est-ce que tu penses? Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des influenceuses telles que les Kamen Sama, Emma Loez, Edossi Yahoo, tout ça? C'est parce qu'il y a ça sur le cœur, il sait de quoi il compte. Non, on ne parle pas de ça, je parle des filles, là, les influenceuses, mmh. Emma Loez, Edossi Yahoo, Kamen Sama, qu'est-ce que tu penses de ces effets? Bon, Edossi Yahoo, Emma de Loez, mmh. Bon, je pense que les filles... Emma de Loez. Voilà. Ok, vas-y. Je pense que les filles, bon, ils peuvent choisir une parmi. Non, on n'a pas dit de choisir, bon, okay. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Bon, parmi les trois, toi, tu es fan de qui le plus? Non, personne. Je sais pas. Personne. Et s'il y a une qui te break? Il pense que... Pourquoi? Ce mec à Paris, elle s'est déjà engagée. Hein? Mais celle qui est à Paris, là, tu as mis ton cœur sur elle, est-ce que vous êtes à vue? Pas encore. Alors, mais donc... Mais c'est qu'on va se voir, parce qu'elle dit qu'elle arrive. Ah, donc, elle vient de voir, hein? Toi, tu as déjà continué contre elle. Oui. Donc, vous n'êtes pas encore vu, vous n'avez pas encore fait. Parce c'est que, ça, non? Voilà, parce que ce qui a demandé à elle, elle m'a envoyé. J'ai demandé l'une de ses trois photos, elle m'a déjà envoyé. Ah, tu lui as pas donné l'argent encore? Je lui ai demandé l'argent, elle m'a dit tout ce qu'elle avait de demander, elle m'a envoyé. Et l'argent, elle m'a dit non, qu'elle est riche, ses parents sont riches. Et l'argent, voilà, là, elle l'a envoyé. Elle m'a envoyé 100 000 francs à la fin dernière. Mmh. La fin dernière, elle m'a envoyé 50 000. Mmh. Elle dit de boire. C'est pas à cause de l'argent que tu as de la fille là. Mmh. Non. Toi, tu répondais que tu es un bouteau aussi. Non. Mais elle, à la fin du mois, elle a demandé. Elle est bébé. En principe, c'est garçon qui doit donner à une femme. Mais si femme demande garçon, c'est que où allons-nous? Vraiment, où allons-nous? D'accord. Okay, donc, si tu es aussi une influenceuse de drague, tu vas pas accepter. Non. Mmh. Pourquoi pas? Elles sont pas bonnes pour toi. Voilà. Elles sont pas bonnes pour toi. Elles sont pas bonnes pour moi. Et ils ne sont pas mes gens. Elles sont pas. Ah, ça, bon. Okay. Quand même, Sama n'est pas ton genre. Non. Et Emma Loez n'est pas ton genre. Non. Parce que moi, je ne suis pas femme africaine. Tu maries quoi? Bah, tu vois loin. Je dois marier femme blanche. Voilà pourquoi on dit Nata retourner à Mans. C'est à cause de tout ça, on dit pas retourner là. Et on dit. Je ne vais pas retourner au village. Je suis déjà arrivé. Donc tu dois continuer ça. Voilà. Donc un jour tu rêves d'aller à Paris comme Mara, tu as confirmé pour aller jouer au casino de Paris. À Paris, si je vais au village, c'est que je vais aller construire, payer ma voiture, et puis si nous payons des taxis, pour que ça roule à mon nom à moi. Voilà. Là il vient à Abidjan. Voilà. D'Abidjan il va à Paris. Voilà. De Paris tu reviens à Abidjan. Voilà. Tu as des taxis et tout ça. De Gabon, de Bénin. Mais si ta maman t'appelle pour dire que bon, les ancêtres, hein, les ancêtres Yakuba disent de revenir à faire qu'on te donne une femme, hein, de chez toi pour l'épouser. Tu vas ou tu vas pas? Il ne veut pas. Hey, tu vas défier les ancêtres? Oui, oui. Ah, d'accord. Là, okay. Dépalé, je pense qu'on ne peut plus rien faire. Parce que notre émission, on va arrêter l'émission là. Un jour là, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Ça, voilà, c'est bon, oui. C'est mieux. Hein. Quelqu'un qui est prêt à défier les ancêtres et les génies, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Alors, notre émission tire à sa fin. Nous avons reçu aujourd'hui Bébé sans os de Mans. Il a donné son point de vue. Il était très remonté par rapport au passage la dernière fois de Bébé sans os, l'original. Vous avez bien écouté. Il dit Bébé sans os, rien créer de bon. Alors, big up à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Big up à Monsieur Mamadou Diawara depuis Somadive. Big up à la boutique certifiée chez Kra, de là où sort mes paires de baskets Discoware. Vous pouvez zoomer un peu. La boutique certifiée chez Kra. Chez Kra, il n'y a pas habillé des femmes tranche. Là-bas. Non, c'est que spécial de luxe homme. C'est pas grave, il y a plein pour aller donner à mon gars. Ok, d'accord. J'irai le voir. D'accord. Alors, la boutique chez Kra, Serge Dufalet habillé aujourd'hui par la boutique de Kra, sur la tête aux pieds, côté de la 8e tranche, des vêtements certifiés. Voilà, je vous conseille d'aller faire un tour là-bas.
Voilà, c'est des vêtements atypiques avec un style vraiment particulier. Merci au PDG Pierrot, merci à Kangala le berger, merci à Ange Bleu le cultivateur, merci aussi à Franck Aka depuis le bazar de Versailles, merci à tous ceux qui soutiennent, merci surtout à Franck Mian. Franck Mian, sans oublier Yacine Mian, la grande famille, Aboudia le peintre. Merci à ma belle et grande commune de Diabo et surtout merci à Diva Glam pour le vêtement que je porte aujourd'hui. Bébé Sans demande, oui. Tu veux faire un coucou à quelqu'un? Oui, oui. Vas-y. Ah, monsieur le maire de Mans, monsieur Aboubakar Fofana, merci à monsieur le maire. La merci, tu vas plus la bâtir. Merci aussi à Momo, merci à Kony Lama, merci à vous. Les cadres de la région, merci à eux. Désormais, il fait la fête la région de Tonkoui à Abidjan. Mm-hmm. Je pense que c'est bon à Mans et c'est bon à Abidjan. C'est vrai, je suis ensemble, c'est la famille. Appelez-moi déjà le chien bandit du coupé de Galé. J'ai mis dedans sa babie. Dames et messieurs, ensemble, c'est la famille. Le Kada Kada. C'était le Fafa avec Serge de Fallet. Surtout, sortez toujours couverts et rendez-vous pour les prochaines émissions. On est ensemble.